Oui. Bonsoir. Vous avez vu? Tant pis, pour une fois, ils rangeront tout seuls. Ah. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette fleur est sortie tout droit d'un œuf de lézard. Eh oui. Pour mieux comprendre la chose, il faut savoir qu'un œuf de lézard, petite bille parcheminée de la grosseur d'un petit pois, trouvée sur un tas de feuilles, est sortie de l'imagination de mon fils. Tiens, à ce propos, il est bien en retard, ce petit chameau. Il est allé faire ses devoirs chez un camarade, mais il devrait être là depuis au moins 20 minutes. Ah, quand on parle du loup. Tourteroute est encore en retard, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée. Qui? Notre nouvelle maîtresse. Oui, ben ça ne justifie pas ton retard, moi j'aime pas ça, je suis inquiète, tu comprends? Mais écoute, tu peux pas savoir. Quoi? Elle est brune, elle a les yeux noirs, elle a un manteau vert à col de fourrure. Puis elle a une de ses bagues, si tu la voyais. Puis avec elle, c'est des poésies qu'on apprend. Regarde un peu, tu vas voir ça. Écoute bien. Oui, je pense. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Tu t'en vas? Mais tu non. Tu m'emmènes? Mais non, je pars pas, c'est dans la poésie. Demain, dès l'aube, et voilà. À l'heure où blanchit la campagne. Une nouvelle femme est entrée dans la vie de mon fils. Vois-tu? Je sais aujourd'hui, que tu récites des poèmes. Il n'y a pas 6 mois, on ne parlait dans cette maison que de sciences naturelles. Et les secrets de la physique-chimie exerçaient sur mon fils une irrésistible attraction. Vous voyez l'inconstance masculine. Qu'est-ce que tu fais? La physique. Tiens, regarde, on va faire une expérience. Prenons du sel. Écrasons-le. Écrasons-le encore. Allez, va me chercher du sel et une assiette. Et plus vite que ça! Maman, tu te renvoies du sel et une assiette. Quoi faire? Des expériences. Des expériences? Tiens ma puce. Merci, maman. Ça fait revient mon sel. Tiens, la ton sel. Merci. Tiens, écrase-le avec la tête du soldat. Si, pourquoi faire? Des molécules. Plus fin. Je peux pas, c'est trop dur, le sel est trop fin. Bon, alors, va chercher du sel de cuisine. Dis-moi, tourteron, du gros sel. J'ai plus de gros sel. Apporte-moi une goutte d'eau, alors. Tiens, voilà ton verre d'eau. Mais je t'ai pas demandé un verre d'eau, je t'ai demandé une goutte d'eau. Comment veux-tu que je mette une goutte d'eau dans un verre? J'ai pas à mettre dans mes mains, non? Écoute, fallait que je la divise, c'était marqué dans le livre. Tu te prends pour qui? Pour Jeanne d'Arc, peut-être? Je te préviens, Jeanne d'Arc, elle est pas morte noyée, elle est morte brûlée. Bah, va donc la chercher. Va donc la chercher tout seul, ta goutte d'eau. Je suis pas ta boniche, hein? Oh, ça va. Mes enfants, qu'est-ce qui se passe? C'est une expérience que notre nouvelle maîtresse nous a dit de faire. Quoi? Il paraît qu'en mélangeant 2 molécules d'hydrogène et 1 molécule d'oxygène, on obtient de l'eau. Alors, tu cherches les molécules? Oui. Tu crois pas que c'est un peu difficile? Mais non, c'est la nouvelle maîtresse qui l'a dit. Alors, c'est la nouvelle maîtresse. Elle en sait des choses, ta nouvelle maîtresse. Oui, mademoiselle, justement. Alors, chérie. Merci. Oh, dis donc, j'ai oublié de te dire, tonton a une nouvelle maîtresse. Tu crois? Oh oui. Elle s'intéresse spécialement aux sciences naturelles et à la physique en particulier. Vraiment? Il s'est mis à la tête de désintégrer l'atome et de faire de l'eau avec de l'oxygène et de l'hydrogène. Alors, il faut absolument que j'aille voir ça. Tu reviens m'aider, hein, pour essuyer? Oui, tout de suite. Oh, alors vous me faites plaisir. Vous êtes sage ce soir. Et en plus, tonton, on travaille. Mais dis-moi, tu es sûr que tu ne vas pas les user? Non. La nouvelle maîtresse de Tourteron veut des élèves impeccables. C'est malin, hein? Tu sais, ma nouvelle maîtresse m'a demandé si c'était moi qui avais fait tout seul mes dessins de zoologie, tellement bien c'était fait. Ah, bravo, mon chéri. Est-ce que je peux les voir? Ouais, attends. Tiens, regarde ça. Bon. Parfait. Tourteron. Oh, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un métatarse de grenouille à côté d'une griffe de lézard. Oh, très jolie ta grenouille. Mm-hmm. Oh, puis la carpe aussi. Et ça?
C'est une carpe vue du dessous, la bouche ouverte. Ah. Ah, comme dis ça. Ah. Ah. Comme chez le dentiste. Voilà. Oh, Tiffany, puis on est là, ma chérie. Tous les matins, c'est pareil. Ah, t'es encore là, toi? Non, mais dépêche-toi, je suis pressée, tu sais. Puis tu vas pas t'inonder d'autres connards, voyons. Ils vont dire tes camarades. Tu sais que bah, elle est blonde. Qui? Bah, ma nouvelle maîtresse, tiens. Puis c'est moi qui ai effacé le tableau. Et c'est moi qui ai ramassé sa gomme quand elle est tombée. Attache-toi. Oh! Mais qu'est-ce que tu t'es mis? Qu'est-ce que tu sens? Cologne. Oh, est-ce que ça sent mauvais? Ça te va pas du tout, mon fils. C'est pour plaire à qui, ça? À la nouvelle maîtresse. Oh, voyez-vous ça? Attends, attends, ça va, Tiffany? On va aller en mariage. On va aller en mariage. Oh oui, alors, dis donc. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Comment ça marche avec mon garnement? Mais très bien. Savez-vous qu'il montre beaucoup de disposition pour les sciences naturelles? Oui, j'ai cru comprendre ça. Je suis persuadée que nous allons passer ensemble une année agréable et instructive. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Mais bon. Oh, s'il fait beau, dis donc. Dis-moi, tu connais la différence entre les onguiculés et les ongulés? Ma foi, non. Bah, moi, je la connais. Raconte. Eh ben... En fait, tu connais aussi. Tu connais la différence entre la vipère et la couleuvre? Ah oui, moi, je sais. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, il y en a une qui pond et l'autre qui pond pas. Qui est-ce qui t'a dit ça? Oh ben, moi, quand j'étais petite, j'avais un grand jardin. Et un vieux jardinier qui me racontait tout sur les animaux. Philippe, ben, tu le connais, Philippe. Ah, oui, le papy. Ouais. Tu lui demanderas tout quand tu le verras. D'accord. Hein? Hey, tu crois qu'on trouve des lézards ici? Tu peux essayer d'en trouver, mais... On prend trop tard, hein? Non, non. Naturellement, le pauvre chou, il n'en a pas trouvé. Son père lui en a fait un beau pour son carnet de notes. Animal. Soigneusement enterré dans un pot de fleurs que je devais arroser tous les 3 jours avec les plus grandes précautions. C'est la maîtresse qui l'avait dit alors. Oh, ça alors. Les enfants, venez voir. Regardez. C'est pas possible. Oh, écoute, on dirait bien une petite plante. Mais ça se peut pas. Je suis sûre d'avoir mis un œuf de lézard dedans. Ben oui, mais écoute alors, c'est un miracle. Oh, je crois pas. Ça alors. Je crois que vous vous êtes trompé. L'œuf de lézard a dû s'égarer et sans doute qu'une graine se trouvait déjà dans le pot. Oui. Voilà tout le mystère. Probablement. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, tonton. Allez. Dis-moi, je me demande vraiment pourquoi une femme comme ça n'est pas encore mariée.
Peut-être qu'elle t'attend. Tu crois? Qui sait? Mais voilà, les meilleures choses ont une fin. Il y a 8 jours, la maîtresse, Mademoiselle Levoix, est partie en congé de maladie. Et on a envoyé un jeune pion pour la remplacer. Oh. Depuis, Tourteron est maussade. Il s'est remis à manger des caramels. Et surtout, il laisse dépérir ses plantations. Des gros balleurs ou banchis, la campagne. Voici que la poésie prend le relais de la science. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. C'est qui s'en va? Quelqu'un que tu connais pas. Et toi, tu le connais? Oui, mademoiselle, c'est Victor Hugo. Bon, je reprends. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans parler. Bonsoir. Oh, mon pauvre chéri, le jour où tu me diras autre chose. Je dois tout faire, là, ce que t'es encore malade. Oh, engage-moi. Qu'est-ce qu'on entend? On a un poète dans la famille? La nouvelle idole est brune, elle a les yeux noirs et elle suit sur la table de 8 en Alexandre. Oh. Non, Tourteron est trop influençable. Tu ne crois pas que je devrais aller voir la nouvelle maîtresse? Du dos, toi, je te croyais fatiguée. Ah, mais c'est pour mon fils. Ouais. Bah, attends qu'elle exhibe une bague de fiançailles. T'auras plus besoin d'y aller. En attendant, je vais embrasser le poète. Bonsoir.